Eh bien, bien le bonjour les amis. J'espère que vous allez bien et je suis fier de vous présenter une toute petite vidéo de la bêta du jeu Skull and Ball qui sortira le 16 février. Donc c'est parti pour la découverte. Alors pour la télécharger, il vous faudra aller sur... Je vous l'expliquer. Sur votre compte Ubisoft ou une pub sur Facebook et trouver la bêta ouverte, donc qui est ouverte qu'aujourd'hui. Après, vous allez la télécharger, vous pouvez jouer avec. Moi, c'est ce que je suis en train de faire. Voilà. Donc, c'est parti. Nous allons donc découvrir le jeu ensemble. Je ne connais pas du tout le jeu. J'y ai jamais joué la première bêta qui a été sortie. Donc, là, c'est la deuxième bêta qu'ils ont fait pour tester. Donc c'est parti, on y va. Je peux précommander le jeu, je l'ai déjà. Donc c'est parti. On va découvrir la cinématique. L'aube du capitalisme. Des sociétés aussi puissantes que des royaumes règnent sur les mers et les routes marchandes, les plus rentables du monde. D'une main de fer, elles forgent une voie vers la tyrannie et l'exploitation, soufflant sur les braises du combat pour la suprématie. Venu de l'océan Indien, un flot de produits exotiques nourrit de nouvelles addictions et remplit les coffres de pièces souillées de sang. Et là où le sang coule, les prédateurs affluent. Alors, comment va se passer le système de gameplay? Alors normalement, j'ai entendu parler, alors je sais pas si c'est vrai, que vous testez la bêta, mais si vous avez avancé un peu votre bateau ou votre personnage. Le capitaine Rassler va nous faire pendre. Nous devions l'escorter. Tiens, on s'est battu ici. Les Britanniques sont passés par ici. J'espère que ce n'est pas ce qu'il reste de la cargaison de l'Exeter. Capitaine, évitez les passes devant. Alors là, ça y est. Donc, je lui disais tout à l'heure que normalement, j'en avais vaguement entendu parler que si on progressait sur la bêta, le niveau qu'on aurait, on l'aurait sur le jeu officiel. Il y a toujours de la place en cale pour des richesses. Ce navire est vulnérable à une portée. Bon, par contre, c'est un peu embêtant parce que j'ai pas l'indication de carte, je sais pas où aller. Alors, start, ok, ça donne que ça. Le pavé tactile, ça donne rien. Notre chance tourne. On peut encore ramener l'Exeter à Saint-Anne. Alors, L2, ça vous fait une vision un peu différente pour lancer les canons, ok. L2, c'est un canon. R3, R1, rien. Alors, rien. Oh! Voilà un gros navire! Allez! On canarde les amis!
Ah, chez Hard. Ah, par contre, t'as des 1600. Ah, y'a un temps de rechargement. Ah, ça c'est pas cool. Cool, j'aurais bien envie la vue du bateau. Ah là, il y a un point faible, ok. Putain, sans coop, ça doit être une dinguerie. Et voilà, ils sont morts. Mais elle a morflé aussi, hein. Par contre, il y a un temps de rechargement. Oh la vache! Ah ouais, c'est hard! Alors, est-ce que j'ai échoué ou... ou pas? Haha! Bon, on verra bien. Ah, un petit chargement. Quand même pas mal, la petite bêta test. Alors. Je crois que c'était fait d'esprit. Donc je joue en qualité performance. J'ai pas pris la qualité de base qui était proposée. Donc là, le choix du personnage. Ah, enfin. Des hommes, des femmes. Alors. Elle me plaît bien celle-là, ça me fait penser à celle dans Pirates des Caraïbes. On va la sélectionner. Yes, on sélectionne, ça me plaît bien. Alors, ensuite. Ça, c'est le corps de base. Prendre ça. Bon, c'est un peu bête parce qu'on n'arrive pas à voir le corps suivant. C'est un peu nul. Ça, c'est les cicatrices. Ce qu'on peut mettre avec des tatouages et tout.
Ouais, c'est bien ça. La couleur des yeux. Yo. Vert. La type de cheveux. Oui, c'est ça. Voilà. Oh, trop fort. Je vais faire une femme à barbe. On va quand même pas mettre de barbe. Ça va pas le faire. Et voilà, ma pirate est créée. Alors, à quoi que tu ressembles? Ah, merci Moussaillon. De Freeman doit être de votre côté. La chance? Où diable les Anglais et le brouillard? C'est la faute du capitaine Rassler qui nous a menés sur ces hauts fonds. Nous avons survécu au combat et maintenant vous venez renforcer le boutre. On dirait que notre sort s'améliore. Il y a une ardeur dans votre regard. J'ai déjà vu la même lueur chez vous. Je suis sûr que vous allez nous conduire à Saint-Anne. Pour rejoindre le paradis des pirates, il faut en connaître le chemin. Voilà. Un journal de bord récupéré dans l'épave. Plus que par l'encre et le parchemin, notre sort se révèle par touches, souvent bien visibles. Ceci vous aidera peut-être à tracer votre chemin, l'ami. Rendez-vous utile. Prenez le gouvernail avant que les Anglais ne reviennent. Je vais m'occuper des voiles. Le vent sourit aux intrépides. Saisissons notre chance. Quelqu'un doit connaître le chemin de Sainte-Anne parmi les rescapés éparpillés. La chance de Freeman nous guide. Alors, comment ça fonctionne ça? Il peut aller encore plus vite, au nom de la toile. Terre, droit devant. Le destin nous lance un filard. On peut trouver de l'aide pour quitter cet endroit. Débarquer. Alors, ah, d'accord. Mon petit perso. Ça va, sympa. Alors, feu de camp, la nourriture, la cuisine. Alors. Ok, si on peut cuisiner, ça peut améliorer. Sympa, cool. Ouais. Elle est bien poussée le jeu, elle est nickel. Bon, heureusement, j'ai rien pour faire la cuisine. Dommage. Bon, c'est pas grave, allez. J'avais dit au capitaine Rassler que le navire était plein comme une truie engrossée. On a peut-être perdu les Anglais dans le brouillard, mais aussi la course contre ces foutus éléments. Regardez, les entrailles de l'Exeter sont répandues sur ces hauts fonds. Et je suis entouré de fainéants ivrognes qui se croient condamnés à rester sur ce rocher. Et où étiez-vous, capitaine, pendant que des frégates anglaises poursuivaient l'Exeter? Sûrement à jouer les pleutres comme l'immonde rat de cale que vous êtes. Oh, cause meilleure. Ah, des choix. Ah, ça c'est pas mal. Là. Alors, c'est vous qui s'êtes jeté l'éjecteur machin. Ah, j'ai fait le premier, moi je me suis battu.
Je suis une pirate. Et à quoi a servi votre hardiesse? À part à nous laisser pourrir sur ces hauts fonds. Vous voulez rejoindre Sainte-Anne? Naturellement. Tout comme cette bande d'ivrognes qui reste mollement assis sur leur cul. Mais si nous retournons voir le Kingpin les mains vides, il nous enlèvera nos titres. Et peut-être nos têtes par la même occasion. Récupérez ce qu'il reste de la cargaison de Skurlock dans ces eaux infestées de requins. Ensuite seulement, je vous dirai comment aller au paradis des pirates. Ok, ok. Alors, il me faut récupérer ça, ça et ça. Alors, retrouver ça comment? Bien, et ne traînez pas. Je n'ai pas intention de traîner, t'inquiète. Ils sont raides comme des queues de pelle. Bon, comment on prend le navire? Hop là, on reprend le navire. Alors. L'officier serait incapable de guider un poisson dans la mer. Si ce crétin connaît le chemin de Sainte-Anne, il nous faut la cargaison de Skurlock. On peut pêcher ces poissons pour manger. Il te fait frapper vite! Ces cadavres, il va peut-être falloir les fouiller. Bon, là, ça marchera pas, à mon avis. On va aller à l'île en face, là-bas. Bon, on y va, tranquille. Allez, on débarque. D'accord, bon. Faut rien prendre ici. Quel dommage. Embarqué. Bon. Ok, ça c'est la carte. Alors. On peut marquer des points de repère. Ouais, on peut marquer un point de repère. Bon alors, comment qu'on chasse ces conneries de poiscaille? Va peut-être falloir les fouiller. Ok. Ça se passe comme ça. Ok. Peut-être aller dans de la mer. Approche, sale bête. Ok.
attention à ses dents. On va s'en sortir en vie. Vous allez voir. La mer a soif de notre sang. Allez, ça c'est fait. On a récupéré du requin. Ces cadavres, il va peut-être falloir les fouiller. Eh ben, allez, fouiller les cadavres. Ça, c'est pas un souci. Comment ça nous arrive? Tout ce sang. Tout... Dis-moi, tu ne fais pas partie de l'équipage de Rassler. Tu faisais partie des passagers, comme moi. Oui. Nous étions cinq dans un petit bateau. Après le naufrage. Ensuite. Les requins sont arrivés. Tout est allé si vite. Les hommes de Rassler ne nous ont pas aidés. Ils ont même ri. Pour moi, il est trop tard. Mais tu connaîtras peut-être la liberté qu'offre Sainte-Anne. Ouais. D'accord, super. Alors, une petite lecture. Ces cadavres, il va peut-être falloir les fouiller. Alors, comment qu'on va pouvoir ouvrir ça sur le prix de bateau? Oh, ça fait beaucoup de temps pour un requin. T'es plongé, toi, dans de la mer. J'ai les mains qui trempent. Il s'en est fallu de feu. Oups, désolé. Bon, on va aller vers l'épave. Bon, j'ai récupéré des trucs. Alors, comment ça marche, ça? Ah, il me fait un pied de biche.
cadavres. Il va peut-être falloir les fouiller. Alors. Tuez-moi ça! Mieux vaut salir sa culotte que mourir en mer! Ah, j'ai reçu une demande de groupe. Alors là, je suis à pas ça. Bon, comment on récupère la marchandise? Je n'ai pas envie de mourir aujourd'hui! Je suis en combo. Visez bien. Bon, par contre, comment qu'on voit la marchandise? Cadavre. Il va peut-être falloir les fouiller. Non, comment ça marche à ce bordel pour trouver? Servez-vous de la lance! Attention à ses dents!
Allez au diable! Putain, mais tu peux pas t'arrêter, ce putain de bateau, là! Attention à ses dents! Nous ne sommes pas encore morts! Cadavre. Il va peut-être falloir les couper. Faut-il se battre ou fuir ? Approche, sale bête ! À couvert ! Bah, je comprends rien du tout, là. Qu'est-ce qu'il faut faire, putain de ta mère? Là, j'y comprends rien du tout. Alors, vous voulez connaître le chemin de Sainte-Anne? La cargaison de Scurlock d'abord. Merci pour les marchandises. Scurlock m'épargnera peut-être. Mais je ne peux pas en dire autant de vous. Quand je lui aurai parlé du capitaine qui n'a pas protégé sa cargaison. Ah. Ah. Trouvez-vous même le chemin de Sainte-Anne, femme de flair. Ne comptez pas sur moi pour sauver vos fesses quand les miennes sont en danger. Enculé. Demandez au capitaine Rassler. Son cadavre bouffi connaît peut-être le cap. Maintenant, du vent, Radcal. Oh, quel bâtard. Contrat terminé. Hey,
Bug à moitié. Bon. Alors, faut aller où maintenant? Une fouine jusqu'au. Si cette vermine dit que Rassler a peut-être la carte menant à Sainte-Anne, il faut fouiller son épave. Allons fouiller l'épave. Alors, comment ça va fonctionner, ça? L'horizon de Sainte-Anne recèle peut-être l'aube en laquelle je place mes espoirs. Espérons que les pirates ne vous poignardent pas dans le dos avant. Alors, d'accord, ça marche comme ça, ok. Un système de QTE. Voilà. Alors. Une petite cinématique. Même pas. On se balade, on marche. Ok. Alors, comment ça fonctionne, cette chaire de canon? Ok, on visite l'épave. Bon, je vais juste enlever mon marqueur que j'ai mis pour le requin là. Ah, cinématique. Par contre, c'est chiant, le perso il parle pas, c'est casse les couilles ça, il pourrait. Ça aurait pu au moins les faire parler les persos Ubisoft. Alors. Pas ceux qui tirent, mais moi, je me casse. Hop là, on quitte, on prend un petit bateau, et on va où maintenant? La chance de Freeman, vous avez trouvé le chemin de Sainte-Anne et une lettre marquée du sceau de Scurlock. Le Kingpin voudra savoir ce qui est arrivé à sa cargaison. Ou bien John Scurlock pourrait avoir 3 balles de pistolet destinées à nos têtes. Ou juste la vôtre, l'ami. Que serait la vie de pirate sans péril et malice, hein? La cargaison de l'Exeter perdue, Scurlock aura besoin de quelqu'un d'audacieux comme vous pour procurer de nouvelles marchandises à son empire. Jusqu'ici, vous nous avez porté chance. Je suis heureuse qu'on vous ait sorti de l'eau, l'ami. Rassler est mort, et avec lui, tous les devoirs et obligations antérieures. Vous êtes libre de tracer votre destin. Capitaine, vraiment? Tant que vous ne nous envoyez pas sur de maudits rochers. Eh ben.
Ça me braque pas, ça, putain, ça tombe pas. Bah, faut aller où? Le bel horizon. On le marque. Il y a un peu une barrière à la Assassin's Creed. La mer est magnifique, hein. Ah, pourquoi j'ai des messages là, je comprends pas du tout ce qu'il faut faire. Allez à Sainte-Anne. Ah. Et chier, je tourne dans un putain de groupe là, ils avancent pas les mecs. Bon, on va pas quitter le groupe là. Toi, c'est dans ma cargaison. Voilà, comme ça vous quittez un groupe. C'est pas pour faire, vous faites la même chose que comme moi. Vous trouvez où vous cherchez. Bah alors, ah. Bon, vous voyez que si vous êtes dans un groupe, pour aller à Sainte-Anne, c'est un peu bordélique. Oh, je te baleine. Oh, le paysage il est magnifique. Skull and Ball, Ubisoft original et c'est rigolo. Ah non. Cette odeur de sel, d'épices et de pêché, Captain. L'océan Indien recèle bien des secrets et des mystères. Le repère de contrebande de Sainte-Anne est l'un de ses joyaux cachés. Quels que soient les besoins d'un pirate, cet endroit peut y répondre. Sainte-Anne est le lieu où la chance se transforme en fortune, l'ami. Scurlock peut nous mettre le pied à l'étrier. Cette lettre prouve que vous n'êtes pas une pirate d'eau douce. Hé, me regardez pas comme ça. C'est vous la mieux placée pour convaincre Scurlock. Moi? Aïe, le passé est le passé. Nous n'avons pas besoin de la loyauté de Scurlock pour accroître notre réputation, seulement de ses relations. Un bon navire ne serait pas de trop, sauf si vous tenez à ce point à votre boutre. Je vais rester près du navire pendant que vous serez à terre. Ne faites pas attention aux poissons de fond, Capitaine.
Rappelez-vous que nous n'obéissons qu'au vent du destin. Il te touche partout. Celle-là fera pas long feu, une brindille qui aura tôt fait de se briser. De se briser ? Cette carcasse tombe en morceaux. Et elle pue la pisse de baleine. Alors. J'en ai plus cassé du navire. Ce quai commence à être envahi. Le meilleur moyen de se faire bien voir de Scarlock. Cette pauvre Locke a survécu au naufrage. C'est ce qu'on dirait, oui. Un rescapé. Entre, crevette. Hey, poussez-vous. Ou ne te montre plus jamais devant moi. Imbécile. Les Britanniques ont coulé mon navire et ma cargaison, mais t'ont recraché. Espérons que tu en vaux la peine. J'avais besoin de ces marchandises. Tu vois, ce port vit du commerce avec Chuling. Ce marchand est si riche qu'il pisse de l'or liquide. Et tout ce que je reçois, c'est une lettre. Ce crétin me traite comme le dernier des valets. Je lui envoie une belle cargaison, et il en veut le triple. Il me faut d'autres capitaines. Alors, encore un choix. Alors, vous avez donc deux choix. Je peux me débrouiller à acheter les marchandises. Je peux voler les marchandises pour trouver... Ah bah, je vais faire ça, moi, voilà. Tu as un esprit de pirate. Il va te falloir apprendre à évaluer les prises. Et des canons. Crevette, j'ai vu le baquet qui t'a amené ici. C'est tout juste si flotte. T'as de l'ambition, mais t'es loin d'être prête. Tu veux quitter ces haillons et avoir un vrai navire? Forge-toi une réputation et gagne le respect des gens. Le reste suivra de lui-même. Ensuite, je pourrais faire de toi le pirate le plus célèbre de tous les océans. Va, je sens que nous nous reverrons. Ok, ok. Donc ça, c'est Laurent. Ainsi, c'est vous qui venez de l'épave de l'Exeter. Scurlock voit peut-être quelque chose en vous. Mais moi, je ne vois qu'un pirate en herbe à la chemise pleine de sel. Dites-moi, que peut bien voir le roi des pirates chez un épouvantail pareil? Alors...
Qu'est-ce qui pourrait pousser des marins à rejoindre un capitaine de baquets percés? Mais si vous prouvez votre valeur, même les vagues vous respecteront. Je parie que vous rêvez d'une tape dans le dos, d'une bourse pleine de pièces, et que Skurlock vous prenne dans ses bras. Ha! Saint-Anne aura plutôt fait de vous trancher la gorge que de devenir votre paradis. Je peux vous construire le plus puissant navire de l'océan Indien, comme la Margarita de Skurlock. Mais n'oubliez pas que c'est vous qui le dirigerez en mer, Capitaine. Oui, oui, Capitaine, t'inquiète. Le pirate dirige son navire, certes, mais son comportement par gros temps dépend de qui l'a fabriqué. Allez voir mon ami Zen, le charpentier, et il vous aidera à fabriquer les outils permettant de récolter des matériaux de construction navale. Très bien, très bien. Contrat accepté. Allez, on y va. Merci. Revenez me voir. Ujambo. Jusqu'à présent, vous avez tenu grâce à la chance. Mais pour vous tailler une réputation ici, il va falloir vous salir les mains. Telle est la vie chez les pirates. Très bien, très bien. Je n'ai pas peur de faire couler le sang. Je veux devenir un pirate célèbre. Pour qui mesure sa notoriété à la richesse, croyez-moi, Sainte-Anne est le bon endroit pour vous. Nous pouvons nous entraider, vous et moi. Apportez-moi du bois de qualité et je vous fabriquerai ce qu'il y a de meilleur sur l'île Rouge. Ivio, nos deux renommées en profiteront. Très bien, très bien. Ah, bah les amis, le temps va être court, je vais donc m'arrêter ici sur cette vidéo de découverte de la bêta sur le jeu Skull and Bone. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez plu, bah, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, à vous abonner à ma chaîne et à mettre un petit pouce bleu, ça soutient la chaîne et c'est totalement gratuit. Allez, ciao ciao!